Bonsoir, je m'appelle. Bonsoir, je m'appelle Conrad. Bonsoir, Conrad. Pas une syllabe de trop. Juste une inversion de lettres. D'accord. Alors, explique à Catherine ce que veut dire le mot bifler. Alors, se faire bifler, tout simplement, c'est se faire gifler par une bite. T'as jamais fait ça? C'est un truc qu'on voit beaucoup dans les pornos. Dans... Tu pratiques toi ça, bifle là? Pourquoi? Toi, tu peux pas, toi. Ben voilà, t'as appris un nouveau mot. T'es contente, Catherine? C'est... Ça manquait, mon Catherine. Et Yann, lève la main, Yann. Pourquoi? Viens voir. Viens. Pas sur moi, il te claque le cul quand même pendant le reste. Ça oui? Oh, c'est pas la vie perso, ça va, on est allusif. On rentre pas dans. Il court, hein, il entend nos bifs. Eh oui, il donne du rythme. C'est un numéro. Salut Yann. Tout le monde te connaît. Même pas dire mon prénom. Alors, Yann. Je m'appelle Yann. Tu connaissais. Dégage, toi, petit con, dégage. Ouais, un coup. Alors, toi, tu connaissais ce mot, Yann? Oui, j'ai vu ça dans le dico numéro 2. Ah oui, c'est dans le dico numéro 2. Ah, bah, non, je te remercie d'avoir. Et tu l'as trouvé bien, le dico numéro 2? Pas mal. Il est mieux que le 1, même. Le bénin. Pays sans conséquence. Ouais, bravo, arrête de te gratter les couilles, les gens le voient. Donc tu connaissais ce mot, tu n'as jamais eu l'idée de pratiquer ça avec Catherine. Ça, c'est un truc entre nous. Ah, vous voulez pas en parler, on va respecter votre vie privée. Voilà, on va, tu vas peut-être voir ta femme sous un nouvel angle. Elle va faire, on peut l'applaudir parce qu'elle va faire quelque chose qu'elle n'a jamais fait. Et c'est très très courageux ce qu'elle va faire. D'années de mariage? C'est la vache, t'as tout gâché avec le temps. Quarantaine, 2 mois et 11 jours, 4h17.